J'ai l'impression que la problématique ici, partout dans le Trièves, c'est que de l'eau, en fait, il y en a. En hiver, il y en a partout. Il y en a plein, les fossés, les sources. Nous, nos terrains, ils sont presque... Il y a des moments, ils sont inondés. L'eau, les sols sont trempés. On peut pas rentrer dans les parcelles parce que c'est trop gras. Mais en été, ça manque cruellement. De l'eau, il y en a. Elle est présente, je dirais, à un mètre au moins sous le terrain. Il y a beaucoup de flotte qui passe du fait de la cuvette. Il y a la montagne qui est juste derrière, la colline du village. Il y a tout un ensemble de choses qui font que je pense que les ruissellements de l'eau, chaque fois qu'il y a une pluie, c'est assez impressionnant. Et notamment au milieu, je m'en suis rendu compte aussi quand on a labouré, les racines de tous les arbres allaient à 40 mètres. Se trimballer, j'en avais au niveau là où je cultive les courgettes. Il n'y a pas d'arbres au milieu, c'est des bois comme ça peut être que des racines qui arrivaient. Et du coup, eux, je pense qu'ils aiment bien aller au centre du terrain, récupérer la flotte quand ils peuvent. Enfin, en fait, je ne pense pas qu'il est humide parce qu'il il garde l'eau, je pense qu'il est humide parce qu'il y a de l'eau qui coule. D'accord. Pour moi, c'est pas la même chose. Parce que, en fait, c'est vrai que dès que je le mets sur la butte, il sèche sans problème. On le voit, il est fin. Il fait pas des blocs d'argile, il vient pas, je peux pas faire de. Enfin, il n'y a pas de lardon quand je passe le motoculteur, il n'y a pas de. Voilà, il s'émiette très facilement, quoi. Quand il pleut partout, il y avait quand même un point d'arrivée d'eau de pluie. Ici, c'était pas que de l'eau qui tombait sur cette surface-là. À la végétation, j'aurais pu effectivement deviner que c'était plus humide qu'ailleurs parce qu'il y a de la prêle. Donc la prêle, elle aime bien l'eau. Et donc j'ai creusé pour poser un drain. Et au bout du drain, j'ai fait une petite mare. Là, on a fait la mare. Au moment des pluies, cet hiver, ça a été tout de suite... je me suis dit que je ne pouvais pas cultiver si je ne faisais pas quelque chose. Ouais. C'était trop... J'ai une vision de toutes mes cultures inondées. Et puis moi, ne pas pouvoir marcher dans mes cultures parce qu'il y avait tellement de flotte. Et puis là, ici, il y a eu quand même des herbes. On a pas mal de renoncules. Et c'est quand même une grosse plante indicatrice d'humidité qui est capable de rester dans l'humidité saturée sans problème, quoi. L'été, la prairie reste verte. C'est toujours gras, ça se voit vraiment par les photos satellites et tout ça. C'est flagrant, quoi. Et puis après, il y a eu aussi Pascal qui m'a tout de suite dit... La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est des travaux de drainage, quoi. Lui, il rentrait pas d'une certaine période, je crois, des premières pluies jusqu'à 3 mois après les dernières pluies. Il s'amusait pas à rentrer n'importe où sur son champ. Et les vaches aussi, apparemment, restaient sur la colline. C'est assez marrant, elles n'allaient même pas tant dans l'herbe grasse, parce que je pense qu'elles devaient s'enfoncer à des endroits. D'accord, ouais. Ok. Enfin, du moins, elles dormaient sur la colline. Elles allaient dans l'herbe sûrement, mais voilà, il me disait elles dormaient sur la colline. Il y a un drain qui passe au milieu du jardin, qui est censé capter effectivement tout ce versant-là, qui fonctionne. Je ne suis pas allé voir d'ailleurs où ça en est, mais vu qu'en fait, avec l'irrigation, on met tellement d'eau qu'il en ressort toujours un petit quelque chose. Le truc, c'est qu'il y a ce drain-là, et 5 mètres plus bas, on fait une raie de labour, et il y a de l'eau qui repart dans la raie de labour. En fait. Ça n'enlève pas toute l'eau du... Puis oui. il doit avoir... je pense qu'il a été fait avant que mes parents aient le terrain. Donc ça a des dizaines d'années. Hein. Donc c'est pas suffisant pour... qu'on compte pas dessus pour drainer le terrain. Sur ce site-là, j'ai une terre un peu spéciale qui est très argileuse, donc qui est, quand elle est mouillée, elle met du temps à sécher. Quand elle est sèche, elle met du temps à se réhydrater. C'est un peu des sols un peu compliqués. Après, ouais, c'est une gestion de l'eau au fur et à mesure. Là où c'est le plus compliqué par rapport à la gestion de l'eau, c'est pour le travail du sol, où là, je suis plutôt embêté. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand il me faut labourer ou passer le rotovator pour préparer les plantations, l'eau, elle peut, par la structure du sol, ça peut prendre du retard et ça peut être compliqué, quoi. C'est un sol qui met du temps à se ressuyer, quoi. Et les périodes où on travaille la terre, l'automne, le printemps, qui sont en général plutôt humides, oui, c'est quand on a un créneau, il faut y aller, quoi. C'est une terre qu'on ne peut pas travailler quand on veut, quoi. Il faut vachement faire attention au taux d'humidité. Une terre assez argileuse, mais qui n'est pas toujours évidente à travailler. Mais par contre, en termes d'arrosage,
Ben, c'est bien quoi, elle stocke vachement l'eau quoi, donc je suis obligé de... J'ai moins besoin d'arroser que si c'était une terre limoneuse quoi. C'est à peu près le seul avantage. Globalement, c'est un terrain argileux, donc des problèmes d'eau, il suffit qu'il pleuve trop et t'en as tout le temps partout. Ça garde très bien l'eau, donc alors c'est vrai que ça peut être problématique, ça peut être très bien. Quand il fait très chaud, c'est très bien. Quand il fait beaucoup trop de pluie, c'est pas bien du tout. Et donc, globalement, on doit jongler à peu près tout le temps entre excès et manque d'eau. Par exemple, pour le maïs qu'il y a derrière, on a été obligé d'arroser pour labourer. C'est-à-dire que c'était tellement sec qu'en fait, la charrue ne rentre plus. C'est tout le jeu entre il en faut mais pas trop. Et donc notamment ça se calcule assez finement là en ce moment pour faire les semis par exemple, il faut arroser, attendre un jour et quelques, donc le tout étant dans le et quelques. Ça se sait jamais, il faut le travailler à un moment précis et puis en fait le lendemain c'est déjà plus possible. Sous la serre du haut, mais sur le haut de la pente. J'ai un terrain où il y a énormément de cailloux, donc c'est encore plus drainant que le bas. Donc des moments je dis ah ben tiens, les betteraves elles aiment pas trop les cailloux et surtout le drainant, allez je choisis de les mettre sur le bas. C'est ce que j'ai fait cette année. Et ça vient de la structure du sol qui fait que comme il y a pas mal de cailloux, j'ai très peu de terre et du coup ben oui, l'eau tient encore moins dans cette terre là. En fait j'ai pas énormément le choix. Si j'enlève cette partie qui est très drainante et bien caillouteuse, bah je diminue encore ma surface d'exploitation et après il ne me reste plus grand chose. On commence petit à petit, enfin, c'est très lié aussi, je trouve, l'eau au travail du sol. Sur des terres qu'on a comme ici, de travailler trop tôt des fois le sol, d'enlever le couvert qu'il y a, alors soit d'anciennes cultures, soit d'engrais verts, de l'enlever trop tôt avant une implantation. S'il fait très sec après, ben, ça durcit, donc là il faut rebalancer de l'eau. Donc il y a quand même des conduites à réfléchir par rapport au sol qu'on a. Le labour, il y a quand même un gros effet drainant. Hein. Pour le coup, en plus, on fait le labour dans la pente. Parce que si on le fait, si on le fait pas dans le sens inverse de la pente, perpendiculaire à la pente, ça maintient l'eau de façon redoutable. Donc, c'est pas les faire chercher. Il y a quand même un effet de... Quoi, il est plus facile de rajouter de l'eau que d'en enlever. Mes parents la boivent dans le sens de la pente. Ouais. Et j'en vais discuter dernièrement avec mon père et il me disait qu'ils avaient testé une fois de le faire dans l'autre sens et c'était très clair, ils n'avaient rien pu faire du terrain. C'était resté en humidité pendant toute la saison. Je me voyais mal mettre mes planches dans le sens en travers de la pente. Ouais. Du coup ça a été aussi une idée, bien qu'on pourrait se dire que je pense que ça favorise aussi l'érosion, les passe-pieds. Ouais. L'eau s'écoule là-dedans, du coup, c'est plein de questions. C'est pour ça que j'ai essayé de faire des rigoles. On voit à certains endroits, je fais des rigoles qui sont pour le coup, elles, perpendiculaires par rapport à la pente pour essayer que l'eau s'écoule sur les côtés et pas limiter l'érosion. Après, je sais pas si c'est vraiment efficace. C'est une partie du champ où c'était vraiment incliné, où difficile de faire des manœuvres avec un tracteur. Du coup, on a décidé de faire des terrasses. Et maintenant, on rêve que tout le champ soit fait de terrasses parce que ça retient mieux l'eau. Quand il y a des orages, il y a beaucoup moins de problèmes de lessivage, voire de terre qui se déplace, quoi. Tu l'as remarqué, ça ? Ah oui, c'est visuel. Hein. On a un terrain en pente, quand il y a un gros orage... les cultures maraîchères, même si tu es en pleine période de culture, ça couvre pas entièrement le sol et toute la terre fine, elle se déplace. Quoi. Ça va créer des ruisseaux, donc l'eau va descendre très rapidement en emportant la terre, alors qu'à plat, au risque de noyer les cultures, mais l'eau va stagner un peu plus au même endroit et ça irriguera mieux le germinal aussi. Quoi. Ça rend l'agriculture, pour moi, les choses plus pérennes, quoi. Que cultiver en pente, tu te dis que au bout d'un moment, ça sera peut-être plat en bas de la pente, mais le reste, ça va pas valoir grand-chose, quoi. Et puis, humainement, c'est beaucoup plus facile à travailler, pour le matériel aussi, ça a que des intérêts. À part le fait que ça demande de l'énergie, du temps pour le mettre en place. Qu'il y a une bonne rétention d'eau, on n'est pas obligé de l'arroser tous les matins.
Ça, c'est lié au fait que c'est argileux. Ça, c'est lié au fait que c'est argileux. C'est-à-dire il y a un délai entre les temps d'arrosage. C'est pas du tout drainant. Mon sol aussi est assez drainant. Hein. C'est pas. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'argile. Un sol drainant, l'eau reste pas énormément de temps. L'eau ne reste pas énormément de temps dans le sol et du coup il faut faire des irrigations plus fréquemment. Là-dessus il y a vraiment une histoire d'expérience. Il n'y a pas de façon de le savoir, c'est vraiment selon le terrain. Il faut le savoir que à tel endroit il faut faire comme ça, qu'il faut mettre telle quantité si on va avoir tel effet, notamment pour le travail du sol. Après on est vraiment sur un terrain qui est quand même pas. C'est tout au même endroit, on n'est pas sur des parcelles qui seraient totalement différentes. Où on aurait vraiment un truc hyper drainant et un truc pas drainant. Quoi. On est quand même globalement toujours sur la même. Disons que soit c'est bien, soit c'est pire. Bon, c'est à peu près la. Mais c'est rarement mieux. La technique de la gouge là, dont je parlais, ça c'est le formateur Dominique Berry de la Chambre d'agriculture du Rhône qui est très très pointu sur l'irrigation, sur les systèmes d'irrigation, tout ça. Et c'est lui qui nous a fait voir ça, qui nous a expliqué un peu comment lire son sol, après en nous disant que de toute façon, c'est aussi l'expérience qui allait nous l'amener. Quoi. Mais après, chacun a ses propres sols, et du coup, c'est un peu à l'expérience de savoir un peu ce qui se passe, comment arroser, en testant aussi, savoir si on arrose plus longtemps, moins longtemps, comment on arrose, goutte à goutte, deux rangs, aspersion, il y a toutes sortes de choses qui sont à tester aussi, et moi, c'est à force... À force d'essayer, que j'ai trouvé cette solution qui me va bien, quoi. Enfin, ces solutions un peu partout.